Ah, bien le bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour une petite partie de War Tales. On va continuer notre petite exploration qu'on a entamée hier, bien sûr, de la région de Luderne. Juste pour dire aussi que ce stream sera plus petit que d'habitude, puisque un peu gros mal de tête aujourd'hui, donc... Donc voilà, on va essayer de faire un truc léger. Puis je pense que on devrait avoir fini d'explorer quand même avec le temps qu'on a. Donc on va s'y mettre. Hein, et puis voilà. Hein. Alors. La carte. Alors on avait fait tout ça au nord. Sans qu'on avait que ça, on pouvait pas y accéder. Donc ça s'est fait. Qu'est-ce que... Tchac. On... oui. On s'était fait rosser totalement par l'élite ici. Et oui, ça fait mal. Mais on y retournera un peu plus tard, hein, quand on aura pris un level pour tout le monde. Et qu'on sera mieux stuff, je pense. Parce que là, très honnêtement, c'était un peu tendu. Avec du tryhard, je pense que ça passe, mais... Le tryhard, on va peut-être le garder pour une autre fois. Alors, on va aller par là, parce qu'on a pris les contrats, on va se faire les contrats. Il y a un point d'interrogation qui m'intrigue ici. Ici aussi, on dirait. D'accord, donc en fait, je pense qu'on va d'abord explorer ici, pour remonter par là, ou par là, je sais pas. Donc, voilà, au moins on a setup notre chemin à faire. Et puis ben, on va voir tout ça. Ah, mais, d'accord. D'accord. Ok, on dirait que c'est connecté par là. Ou pas, hein. Parce que là, on avait vu des... Oh, c'était il y a longtemps. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir ça. Alors, regardons notre petit inventaire. On avait tout vidé. Il nous restait quand même une clé ouvragée. On va voir ce que ça donne en faisant les explorations, hein, bien sûr. On va s'occuper de lui directement, tout de suite, sans aucune pitié. Voilà. Hop, on se rue dessus. Alors, nous avons 11. Ah oui, ils sont 11. 11 niveau 6. Bon, c'est niveau 6, ça devrait aller. On va se faire ça assez easy, normalement. Hein. Alors, il n'y a pas de chef, donc on va se la jouer deux. Oh, tu vas te mettre ici, toi tu vas là-haut, voilà, tank, non, Armirim, je pense que toi tout seul tu peux t'occuper d'eux, normalement je pense que oui, Armirim va s'occuper d'eux. Ici sont peut-être, ils sont 4, donc là on va prendre un backup, on garde Hawk ici, quoique non, on va mettre Auréa ici, et puis dernier Kratos, tu vas aller là, voilà, comme ça tu vas prendre un petit peu d'aggro, et non, tu vas rester comme ça, voilà, on va faire ça va très bien se passer. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Le prochain à jouer, c'est toi. Donc on prendra Auréa pour aller tanker ces messieurs. Je pense qu'on est bon. Ouais. Bah alors on est parti. On engage notre malfaiteur. Ouais, non. Non, pas du tout. Ça n'était pas ce que je voulais faire. On va prendre un Grim. Et un Grim, tu vas t'occuper du braconnier. Ah, quoique. Toi, tu... On va d'abord s'occuper de toi. Ah, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien, très très bien se passer. La preuve. Voilà.
normalement ces deux là vont s'occuper de Hargrim. Kratos, non? Ouais, on va prendre Kratos. Kratos va se déchaîner. Petite hache légendaire, bien sûr. Ça fait du bien. Ça fout des dots assez conséquents. Et on va se débarrasser de toi. Hein. Non, on va se débarrasser de toi. Ah bah, désolé, hein, c'est tombé sur toi. Il devait en donner 3 normalement. Et ça change de l'élite qu'on a eu à affronter. Hein. Ça change. Waouh. Donc, on va prendre Hawk. Et Hawk, tu vas te positionner ici. Et je pense que tu vas pouvoir bien entamer notre bon ami ici présent. Voilà, petit critique. Ça fait toujours plus. Oh, il mourra après son tour. Bon. Voilà. Autant s'en débarrasser maintenant. On va t'engager, toi. Parce que visiblement, ils vont se faire dépouiller. Voilà. Et engager. C'était prévu. Alors, Louak et Tank qui vont s'occuper d'eux. Mais d'abord, Tank, tu vas aller prendre un archer. Parce que. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà, comme ça. Louak, bah, tu vas t'occuper de lui, je pense. Ah non. Non, lui, tu t'es avancé. On va tout simplement se faire ce petit maraudeur. Voilà. Passe le tour. Oh, oui. Bon, ça va. On est bien. Ah, toujours ce problème d'achever pour achever. Mais bientôt, Irina. Bientôt, j'ai confiance. J'ai totalement confiance. Oula, tu vas loin, toi. Tu vas très loin. Tac. Ouais, tout à fait. On va s'occuper de lui tranquillement. Ah, on avance un petit peu. On commence à le tomber en faisant aussi une petite brochette. On aime bien ça, les brochettes, hein. Surtout Ménéna. Hein. Quoique Hawk s'est mis aux brochettes aussi. Hein. C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. D'accord. Alors, Tank un petit peu en difficulté, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas bien grave. Oui, on va se débarrasser de toi. Bah voyons. Non, pas comme ça. Voilà. Ah, ça fait du mal. Ouf, ça doit vraiment faire mal. Hein. Bah ça tue, en l'occurrence. Donc oui, fatalement, ça fait mal. Ah là là, bon. Arrêtons et passons aux choses sérieuses. Oui, allez. On pourra pas se mettre derrière lui, c'est pas bien grave. On va envoyer du lourd. On le fait. Parfait. Maintenant. Tu joues. Alors Auréa, non, on va prendre Kratos pour s'occuper de ces petits moustiques comme cela, exactement comme ça. Tu restes là, toi. Ah oui, ah d'accord, ils ont décidé d'ignorer totalement armé. C'est pas un souci. C'est absolument pas un souci. Tac. Alors, non, d'abord on va t'engager. Quoique. On va se faire les deux, non? Normalement. Ah, on va passer un petit peu.
Voilà. Comme ça. Et puis, bye bye. Bye bye, bye bye. Ah, t'es un peu loin, toi, mais on va quand même te rapprocher. Tech. Notre très cher ami Tech. Ah, il mort avec les dots. Les ennemis s'enfuient. Oui, oui, oui. Niveau 6, on va pas s'éterniser. On va pas s'éterniser. Pardon. On prend le butin, on répare. Butin assez maigre. Mais on a détruit une troupe de bandits. Donc ça pourrait être pas mal sur les camps de bandits prochains que nous rencontrerons. On peut passer là ? Oui, on peut passer. Ah, des pestiférés. On s'en est pas fait les pestiférés. Hein. Des groupes comme ça. On va voir ce que c'est. On va voir. Pestiférés niveau 7, 13. Ouh. Allez, ils sont 13. Il y a le nombre. Si c'est les mêmes que contre l'élite de hier, ils sont un peu embêtants, mais ils sont gérables. C'est juste qu'ils font... chaque fois qu'elle s'engage, elle produit du poison. Et ils se soignent dans le poison, donc c'est pas l'idéal. On va essayer de les avoir d'abord de loin. Mais ils sont beaucoup. Enfin, on va y laisser quelques plumes, je pense, mais rien de bien méchant. Bien méchant, alors... mais ça sert pas à grand chose d'avoir deux tanks ici. Tac. Comment dire. Oh, merci Taoré06. Merci Taoré06. Ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien. Hein. Je te remercie. Donc, oui, on va prendre le tank. Donc, on va te mettre ici. Voilà. Ils sont peut-être un peu trop. Mais le problème, c'est qu'on va on va mettre deux personnes ici. On va juste mettre Auréa. Et. Oh, non. Oh, j'ai envie de le garder. Entre. Ouais. Il y a un groupe ici. Parfait. Parfait, toi tu vas aller là. Et puis c'est qui joue en premier? C'est toi. Après toi. D'accord, aucun souci. On va s'occuper de celui-là. Allez, on y va. C'est mieux ça. Hein. Ouais, c'est mieux ça. Voilà. Petit one shot. Ça fait plaisir. Taoré, salut Vanny, merci pour le clin d'œil. Et merci à toi pour ce follow, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. 06, ça sent Nice tout ça, hein. Nice, dans ces zones-là, Alpes Maritimes. Voilà, un deuxième, et puis Arngrim qui reste assez fort, on va dire. Ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on va prendre Auréa. Et avec Auréa, on va aller tanker nos amis pestiférés. Oui, tout à fait. Allez, on engage, on se lance. Ah, poison, c'est sûr. C'était prévisible, mais on va le tuer, oui. Ah, critique. Oui. Merci Auréa. Et est-ce que tu peux te redéplacer? Oui, tu peux te redéplacer pour aller engager un autre. Tu te mettras comme ça. Tac. Louac. On va prendre Louac. Et puis on va commencer à attaquer. De ce côté ici. Ça. Oui. Et ça, le poison, ça fait pas plaisir, mais bon, on a pas le choix. Tac, on passe au tour, mais ça va, il se tue facilement, donc va falloir juste gérer les stacks de poison. Je pense que c'est ça qui va être le plus problématique finalement.
qui font pas mal. Donc, oui, je pense très honnêtement que c'est ce qui va se passer. Ménénal, on va prendre Ménénal, on va se prendre du poison sur la route, mais c'est pas grave, on avait prévu, et puis on va s'attaquer à notre ami ici présent. Voilà, bon petit coup, et puis un petit brochet. Voilà, petite brochette qui va bien, qui met bien, et on passe notre tour. Alors, Erin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que tu ailles attaquer lui, sachant qu'il y a déjà 3 gars. On va d'abord vider les lieux de ce côté-là. On va prendre Hawk. Hawk qui va se faire un malin plaisir de vider un petit peu. Toi, 100%. Ouais, on dirait. Allez. Exactement, c'est ce qu'on voulait. Toi, après, on fait ça comme ça. Ah, dommage qu'il n'ait pas critique. Il y a quand même 30% de chance de critique, 31% de chance de critique, notre ami Hawk, le coup d'agile, bien sûr, surnom qui lui a été donné suite à ses exploits en combat. Bah écoute, on va te faire back, Hawk. Tu vas reculer. On va reculer et puis on va passer notre tour. On va attendre que nos amis se ramènent aussi de ce côté-là. Ils sont plus que 8, hein. On a quand même bien tombé leur chiffre. Oui. On fait ça. On recule. Et puis on passe notre tour. Tank. Je sais pas si on va peut-être partir déjà à la rencontre de ces trois là. On passe le tour tranquillement. Arngrim dans son coin, c'est très bien. On va le laisser et puis on va commencer à avancer comme ceci. Et puis Tuck, notre très cher lieutenant Tuck. Bah Tuck. Se prendre du poison, mais non. On y met du poison, mais on va aller soigner Ménénal. Parce que le poison, ça fait du mal après, sur le long terme. Ah, on passe tranquille. On va jouer. Ok, ça va, je ne soigne pas de beaucoup. La nouvelle round commence. On va pouvoir recommencer à leur mettre plein dans les dents. On prend Kratos, hein, parce que Kratos, voilà, Kratos, bien sûr, avec sa belle hache, il a la tête, hein, il a la tête de l'emploi, il a le nom qui va avec. On va te caler ici, et je pense que tu vas, oui, tu tues les deux. Parfait. On va sortir. Voilà. Et on passe notre tour. Tranquillement. Maintenant, Hawk. Hawk. Oui, va peut-être falloir que t'ailles dégommer du pestiféré. On va avancer Tank. Voilà. Erina. Erina va se caler directement derrière Tank. Ouais, on joue stratégie. Ouh. La riposte qui fait très mal. Arngrim toujours aussi efficace. On va juste lui mettre un coup d'épée. Voilà. Puis je pense que Arngrim ne servira plus trop pour le reste du fight. On va quand même l'avancer, sait-on jamais. Et on passe le tour. Ménénal. Donc, qui c'est qui joue? C'est toi qui joues. Toi, ça va. Il est loin. Il est très loin. Donc, on va bourrer. Pour nous pestiférer adorer. Et voilà. On va pas les bouger parce que ça sert à rien. Ils vont juste prendre des stacks de poison et puis ils arriveront jamais aux trois zigotos ici. Donc on prend ce tour. Ouais,
ici. Comme ça, tu te feras soigner par un pote. Au tour d'après, bien sûr. Auréa. Auréa, là, on va te mettre ici. Là, c'est ton tour. Et toi, tu vas soigner Auréa, s'il te plaît. Merci. Comme ça, les stacks de poison, c'est fini. Bon, passons. Plus que 3 pestifères, c'est ça. Ils sont plus 3, ça va aller vite. On s'occupe pas de nos amis en haut. Hawk. J'ai envie que tu fasses une petite brochette. Ça serait pas mal, mais tu le feras après parce que lui va jouer. On va plutôt aller tanker. On va tanker ces pestiférés. Hop, on prépare. Ah oui, on est one shot. Ok, bon ben bye. Hein. Bye. Bye. Et puis, on set up le coup pour après. Mais je pense que là, oui. Ils sont finis. Les petits amis, ils sont finis. On va faire une petite brochette avec Hawk. On va faire... Voilà, une belle brochette. Ça. Ok. D'accord. Bah, Hawk s'est déchaîné. maigre butin. Très maigre butin. C'est pas grave. On continue, on répare nos armures. Et puis, Arrodi Pendu. Qu'est-ce que c'est cet endroit? On va visiter. Tu ne peux pas rentrer, d'accord, on fait le tour. Voilà, on rentre. Alors, Arbre du Pendu, okay. Ouf. Ça a l'air gay ici, dis donc. Ça a l'air bien gay. On va inspecter, on dirait que oui. Ces pestifères ont l'air très occupés. Oui, tout à fait, hein. Ils ont l'air occupés, on est d'accord. Ils veulent la peau du marchand Pied-Aubert. Alors, on va essayer de te parler. À l'aide, au secours. Oui. Bah, on vient de se faire du pestiféré, on va continuer. Hein. Est-ce qu'on peut inspecter ça? Non, c'est du vol. La petite croix ici indique que c'est du vol, bien sûr. Ça doit être à notre très bon ami marchand. On va s'empresser de sauver. Hein. On va s'empresser de sauver. Ah, c'est... Waouh. Ok, bon allez. Ils sont balèzes. Tu parles de qui, Traoré? Qui c'est qui est balèze? Oui, il faut sauver le marchand là, par contre. Il va falloir sauver le marchand. 14 pestiférés niveau 6. On est reparti. On est reparti pour à peu près le même combat, malheureusement. Ça va, il n'y a pas beaucoup d'originalité là pour le coup, mais bon. Ah oui, c'est le cadeau. Oui. Non, mais là en fait, le truc c'est que. C'est que, en fait, je roule un peu sur la région. Bizarrement, je roule assez sur la région, mais je me suis fait ouvrir par un élite hier. Il m'a fait très mal. Il était tard, j'avais pas envie de mongoliser à essayer de le tuer. Donc, oui. on se le fera de ces jours, celui-là. Il n'y a rien pour attendre. Mais avant, on va d'abord s'occuper de cela. On a fait des attaques à clair tout à l'heure, ça a marché, on va continuer, on va essayer de sortir de la boue, à part Hawk. Tac. Oui, ça va, t'as une bonne portée au niveau du mouvement. Armgrim. Oui, on a Kratos ici. Non, Kratos, on va te mettre ici. Plutôt ici. Et toi, tu te mets là. Voilà. Et on va commencer avec Arngrim. Arngrim qui va s'en faire deux. Arngrim, le capitaine, bien sûr, le capitaine de notre groupe. Voilà. Et de 1. Et celui-là, bah on peut le finir. Hein. On va le finir. Mais oui, on va le finir. Bien sûr qu'on va le finir. Hop là. On te dit bye bye. Tchac. Comme ça, tac. Et puis, il y en a toujours 3 qui sont dans leur coin, j'ai l'impression, bien loin. Ils ont joué maintenant, c'est à deux ce côté-là à jouer. Hop, il y a vous aussi. Ah oui. Il y a du monde.
Mais on prend Kratos, bien sûr. Kratos. Comment? Non. Non, t'es pas assez bien calé. On va plutôt faire ça. On prend Louak. Voilà, on engage. On va même le tuer. Parce qu'en fait, par rapport à tout à l'heure, ils sont encore plus simples. En fait, ils sont un level de moins. Donc oui, ça va craquer sous la dent. Oh, oh. Louak a débloqué le trait résilient. Qu'est-ce que c'est? C'est résistance, hein. 5% de chance de résister aux applications de poison, de saignement et de brûlure. Mais c'est parfait. Pour un tank, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est exactement ça qu'on veut. Donc Kratos, tu vas t'occuper de notre pestiféré ici. Un coup, ça devrait suffire. Voilà. Et puis tu vas passer ton tour. Passe ton tour. Ok. Et oui, t'aurais celui qui a donné les coups de marteau, le gros coup de marteau, il s'appelle Tank. Oui, parce qu'à la base, ça devait être un personnage qui devait tanker les autres, les ennemis, en fait. Et en fin de compte, j'ai looté une arme légendaire que je lui ai équipée. Et puis, depuis, il la lâche plus. Voilà. Il ne la lâche plus. Donc maintenant, on va prendre Tank, d'ailleurs. Notre très cher ami Tank. Puis on va se prendre du poison. Hein. On n'en est pas... Lucia, ouais, c'est ça. Marteau légendaire. Totalement Imba, exactement. Ah oui, non mais en fait, Lucilla, c'est le nom, en fait, parce qu'on a looté ce marteau sur un élite. Et cet élite, c'était le père d'une fille qui s'est fait tuer par des bandits. Et il a pété un plomb, et il allait tuer les bandits, et derrière, il attaquait plus ou moins tout le monde. Donc sa tête a été mise à prix. Et on a ramassé quand même son marteau. Voilà, histoire très triste, mais bon. C'est des fois c'est comme ça. Hein. Voilà, un petit 47, un one shot. J'ai envie de faire une petite course. Pour sortir du poison. Voilà. Et on va se préparer potentiellement à avoir les pestiférés. Ah non. Non, je pense pas qu'il arrive là. Ah peut-être. Peut-être. On verra ça. Tac tac tac. Donc nous allons prendre Auréa qui va engager allègrement ce pestiféré. Hop. Il donne des coups et qui sépare. Puis ben, on va l'achever. Hein. Bien sûr qu'on l'achève. Ouh, le petit coup de massue dans la tête. Ah, ça doit pas faire du bien. Ça doit pas faire du bien dans la mâchoire en plus, je crois. Ça doit faire bobo. Tu peux attaquer Tank, y'a aucun souci. Tank est en armure lourde. Oui, on peut le toucher. Et on le one-shot. Mais oui, c'est un combat qui va aller assez vite en fait. Hein. C'est juste qu'ils sont loin. C'est ça qui va nous faire perdre un petit peu de temps. Tchac. Irina, non, bah non. Oh là là, tellement de personnes à jouer. On va avancer Oak au maximum. Visiblement, il ne peut pas aller plus loin. On va s'occuper de lui. Hein. Un petit coup, puis un deuxième. Ça fait plaisir. Tuck, on va avancer Tuck. Le lieutenant Tuck, bien sûr. C'est un des seconds de Arngrim. Hein. Lieutenant Tuck. Et ici, on a lieutenant Irina. La fourbe. Et Tuck, c'est... Tuck, il a pas encore de surnom. D'accord. C'est juste un égorgeur. Hors la loi. Bizarre si ça. Je suis pas hors la loi. C'est bizarre. Bon. On va pas s'en préoccuper plus que ça. Irina, tu vas passer ton tour. Oui. Tu veux pas aller toute seule à l'encontre des pestiférés, tu vas te faire rétamer. Le cuir n'est pas très fort au combat rapproché. Je pense que ça ne doit pas vous étonner.
Arngrim, on avance Arngrim. On avance Arngrim, bien sûr. On va prendre. On prend temps. Non. On va encore les laisser avancer. On va faire un coup dans le vent. On va soigner. Est-ce qu'on peut se le permettre? Oui, y a soigner est une compétence. Quand on voit le petit carré jaune là en dessous, et ben en fait, ça veut dire que ça prend dans nos points de bravoure ici présents. Donc c'est limité, mais on est confortable, donc on se permet de les utiliser. On fait une petite ligne ici. On les laisse arriver tranquillement. Ils prennent leur temps, hein, quand même. Ben, c'est très bien, ça. On va prendre Louac. Notre ami Louac. Louac qui a longtemps n'a servi à rien. Mais du moment où on a réussi à lui trouver un bouclier... enfin, il a pu tanker. Allez, ce nuage de poison qui fait pas plaisir. Mais c'est pas grave, on le finit. Puis bah on avance, hein. Kratos, tu vas aller par là. Ok. Oh, je pense qu'il peut faire un petit coup. Ça peut être pas mal. C'est loin. Mais on va utiliser la visée. La visée qui va lui augmenter sa portée. Et on va mettre un coup de tir de recul. Et on va en one shot, hein. Ah, c'est bien ça. One shot lui, c'est le plus loin. Voilà. 84. Ça, c'est du snipe. Ah, tu portes bien ton nom. Ah, Irina. On va plutôt prendre toi. Tu vas te mettre ici. Tu vas avancer, Tuck. Allez, fais ça. Alors, Irina. Tu vas rester ici, Irina. Ouais, tu vas rester ici. Auréa, que nous avançons aussi. On va prendre Kratos et on va s'occuper de celui-là. Voilà. Ça fait du bien par où ça passe, bien sûr. Ah, on va commencer à les prendre en sandwich. Un petit sandwich. Hop là. Petit tanking. Oui. Et tu vas. Ouais, tu vas le tuer. Bien sûr. C'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Ouf. Oh, qui se fait engager. C'est pas un souci. Arngrim. Qui va s'occuper de. Ce petit compère pestiféré. On va le tuer. Bien sûr. On prend quelques points de bravoure. Quoi? Non, on prend pas de points de bravoure. J'ai passé un peu trop vite le tour, mais c'est pas grave. Le misclic. Tank, tu vas. Oui, tu vas t'occuper de notre ami pestiféré. Voilà. Les adversaires sont démoralisés et s'enfuient, les lâches. Voulez-vous les laisser partir et remporter l'affrontement? Bah oui, tu peux. On va pas trop s'éterniser, en plus il fait pas grand chose. Louac a débloqué le trait courageux. C'est bien ça. C'est bien Louac, t'es où? T'es là Louac. Courageux donc. Force et dextérité augmentée de 5% si commence un combat en infériorité numérique. D'accord. Ben, vu qu'on commence souvent en infériorité numérique, ça va être sympa. On n'a plus d'outils pour réparer. Ah, ça c'est la tuile. Bon, on va passer. On a sauvé notre ami marchand. Il est sauf. Voilà, il est beau, il est merveilleux. On va lui parler. Oh, bon sang. J'ai bien cru que j'allais me faire dévorer par ces horreurs. Heureusement que l'œil vous a envoyé me sauver. Non, c'est pas l'œil, c'est moi. Je te rassure. L'œil qui est une religion. De ce que j'ai pu comprendre dans ce monde, j'aimerais vous offrir quelque chose en remerciement.
peut-être que ceci vous plairait. Mes clients raffolent. Deux épices, c'est tout? D'accord. D'accord. Je rassemble un peu mes esprits et je fiche le camp de cette région maudite. Oui, ah ça, on est d'accord là-dessus. Cette région est totalement maudite. C'est vraiment un enfer total. Un enfer total. On va pas te voler ton nom. Ah, on peut inspecter les corps, visiblement. On loot les corps. Parce que ben, ça servira, ça leur servira plus à grand-chose, on va dire. C'est... Voilà. Hein. On fait du pillage. C'est parfait. De toute façon, ils sont tous morts. Hein. Qui va se plaindre? Puis il n'y a personne qui vient ici. Donc voilà. Hein. On les laisse. On y va. On y va, on y va. On appuie sur pause. On met un petit coup de map. Ici. Je crois qu'ici, ouais, y a un forgeron. Ici, on va pouvoir se remplir d'outils de forgeron et réparer aussi par la même occasion. Du coup, on va directement aller là. On va peut-être faire l'impasse sur les deux primes. Parce que là il y a deux primes, ouais, on va faire ça. Ok, on est reparti. On est reparti, on va essayer d'éviter le nuage de moustiques. Voilà. On se l'est pas encore pris le nuage de moustiques, mais si c'est comme en combat, ça fait bobo. Ça fait bobo. La nuit est présente, on voit plus rien. C'est merveilleux avec ce brouillard. Ah, il est. Les bandits, on va essayer de pas se faire attraper par les pestiférés, voilà. Et on va dans le clan, c'est de Yaed, d'accord. On va à la forge, on se prive pas, on va les réparer, tout notre matos. On répare 12, c'est trop bien. On va lui acheter tous ses outils pour réparer, tous les matériaux bruts. Voilà, puis on part. Hein. Donc on a quelque chose à vendre, ouais, on a quelque chose à vendre. On a ça à vendre aussi, on revend. D'accord, notre inventaire est bien, on revend le grès. Le grès ne nous sert pas à grand chose, ça prend du poids. Alors on vend les dents en or. On vend les dents en or. Tac, tac, tac. On se met à 30, voilà. Comme ça c'est mieux, c'est bien. Hein, oui, bah oui. Ah, c'est comme ça. Et puis on part. On s'est bien vidé. On a bien récupéré ce qu'on voulait. On va pouvoir se faire nos amis ici présents. Prime à 200 et prime à 200. Allez, on y va. Ah, non. On va d'abord se reposer, bien sûr. Toujours cette barre de fatigue qu'il faut, il faut regarder. Hein. C'est toujours utile. On va mettre des hommes à l'attente. L'attente génère des points de bravoure à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est assigné. Et puis les points de bravoure se régénèrent pas après chaque combat, bien sûr. Les points de bravoure, ça s'utilise. Et puis il n'y a que en campement qu'on peut les régénérer ou en faisant des actions spéciales. Donc on va se saucer. Voilà. On se sauce parfaitement. On n'a rien d'autre à utiliser. Non. Donc on va manger. Qu'est-ce qu'on se fait? Un petit porc grillé, bien sûr. Du crocoport. Un petit peu de crocoport. Enfin, moi j'ai des champignons, on en a vraiment beaucoup. On va prendre de l'alcool parce qu'on a un alcoolique dans notre groupe. Et que si on prend pas de l'alcool, il sera pas satisfait. Il sera pas satisfait, donc il fera la gueule, donc on met du vin avec ce petit repas, et puis on se repose tranquillement. Voilà. On a récupéré 4, ça va. Tchac, on a pu faire 2 matériaux bruts, mais c'est parfait, et puis on repart à l'aventure. Repartons à l'aventure. Toi. Ok, c'est des gars qui ont des... c'est des chasseurs, on dirait. On va essayer de les prendre par surprise. Ah, on n'a pas réussi. C'est pas grave du tout, mais... ils sont 5, 6, 7, 8, 9, ils sont 9, d'accord. Il y a un ours quand même dans le terrain. Il y a un petit ours. Ça fait jamais du bien, les ours, hein. Ça fait jamais du bien.
Ils ont un chef, mais le chef ne leur donne pas de buff. Ils ont un buff de groupe, alors c'est unité animale. À la fin de son tour, une unité animale de tracker appelle un animal aléatoire en renfort. D'accord. En steak, ça peut faire du bien. Ah oui, hein, on en a mangé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Hein. On en a mangé. Ça rassasie. Hein. Ça rassasie pas mal. Mais je ne connais pas ce buff de ouf pour les ennemis. Donc on va bien voir ce que ça donne. Hein. Parce que ça peut être problématique. Si à chaque fois il y a un animal qui pop, ça peut être problématique. Donc eux, on va les enlever. Ça sert à rien, il y a un nuage de poison là, on va pas se contaminer non plus, on n'est pas non plus bête. Hein. On n'est pas bête. Il y a 4 groupes ici, il y a 4 gars ici, ils sont loin. Bah, on va les démonter eux, hein, et puis on va laisser venir les autres. Quoique. On va laisser Arngrim ici. On va mettre Ménénal avec. On va mettre Arngrim et Ménénal, ils vont faire une bonne petite équipe. Ils vont se mettre là. Et puis eux, on va laisser attaquer eux. Ils vont pas bouger. Et puis on va s'occuper de cela. Comme ça. Ça va être un petit carnage. Ouais, parce qu'on peut pas mettre des gars ici, c'est bête ça par contre, hein. C'est un peu bête. Ça serait cool de pouvoir mettre des personnes ici. Bon, c'est pas grave, eux à eux deux ça devrait le faire totalement. Puis ben, ils sont tellement bien qu'on va mettre Hawk ici. Voilà, du 3v3 finalement. Et puis ben, on va se lancer, on se lance. Allez. Hop, petit coup d'épée. Hop là. Petite acrobatie à l'épée et un petit coup, un PV. Ouais, un PV quoi. Un PV. Bah, on va t'engager toi. On va s'attaquer à l'abatteur. L'abatteur. En fièvre. Ouh, ça a craqué. Ça a craqué, si vous avez bien entendu. Oui, ouais, la loose, un PV, quoi. C'est tellement la loose, on est tellement d'accord. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Un PV. Oh là là. Alors, Kratos. Oh, ah oui, à Kratos, tu t'es embourbé, mais violemment. Bon, ben... Voilà, Kratos qui ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. On va s'occuper de lui. On va le finir. On va le finir comme ça d'ailleurs. Voilà. Ouais, il a pas mal moulé. Hein. Il a moulé sa race, j'ai envie de te dire. Il a vraiment. Mais bon, hein. Comment dire, maintenant, il est en train de gir sur le sol comme une souillure qu'il est. Hein. On va s'occuper du sanglier. Voilà. Et puis, non, on va pas faire le coup. On va pas taper notre pote. Puis, de toute façon, il y a bien assez de gars comme ça. Voilà. Ouh, c'est bien ça. C'est très très bien. Et donc, ouais, ça, à la fin de son tour, l'unité animale. D'accord. C'est merveilleux. Tac. Tac, tu vas t'occuper du sanglier. Petit sanglier. Comme ça. Petit couteau. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Voilà. Ah ben. Le nounours qui se met en marche, hein, bien sûr. mais comment ça se passe en fait cette histoire? Il pop à l'infini les créatures ou quoi? C'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe? Faut m'expliquer. Toi, tu prends pas de poison là. C'est très bien.
Voilà, comme ça tu prends pas de poison. Tu vas bouger, mais voilà. Ménénal, tu vas te mettre ici. Ici, il n'y a pas de poison qui vienne. Et. Ah non, on peut pas faire une petite brochette. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On va garder. On va se remettre en arrière. Comme ça. Voilà. Stratégique, hein, toujours. Très stratégique. Mais en fait, le nombre, il finit pas, en fait. Il arrête, ça arrête pas de pop. On en a 12. Toi, tu vas te mettre ici. Ah, mais il y a un truc de poison ici. D'accord. Comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est pas grave. On l'achève. On l'achève très très bien. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Oh là là. Aïe aïe aïe. Bah oui, hein, pas de souci. Hein. Je vais le mettre là. Et puis on va tuer l'Ueda, le diplomate du coin. Il a un nom sympa, hein, mais. J'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Allez, on passe le tour. Ah, il est marqué. C'est-à-dire, tout le monde va se jeter sur lui. Ah, d'accord. Chaque fois que cette unité est attaquée par un animal, l'animal attaquant augmente ses dégâts. Ok, pas de soucis. Toi, on va te tuer. On va te tuer avec ça d'ailleurs. Voilà. Un petit 116, ça fait toujours du bien par où ça passe. Et puis tu vas partir. Tu vas partir à la rencontre des autres. Et puis toi aussi. Toi aussi. Tchac. Ouais. On va avancer. On va avancer, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Puis ils sont loin, eux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont loin. En plus, ils se mettent dans la boue. Ah oh là là. Bon, allez. Tuck. Il tente de se charger de celui-ci. Voilà. Tu vas te mettre ici. Non, là, tu vas bloquer les autres, je pense. Tu vas te mettre comme ça. Ça, il y aura la place de passer. Le nounours. Oula, il est excité, lui. Il est excité. Ah. Bon bah allez, on va passer par là. Ah là là. Tous ces animaux qui arrêtent pas de popper. Ça n'a plus aucun sens. Arngrim, tu vas attendre. Hein. Tu vas attendre gentiment ce très cher ici présent. Mais par contre, on va prendre tank et on va avancer les troupes. On avance les troupes. Il y aura de la viande pour le repas de ce soir. Exactement, c'est ça. Et c'est ça, hein. Factuellement, c'est ça. Hein. Parce que à chaque fois qu'on tue des animaux, bah, on a de la viande. On a de la viande. Donc c'est bien. Parce qu'il y a un petit aspect gestion. Hein. Je sais pas si t'as vu, Taoré. Il y a un tout petit aspect gestion, quand même. Il faut gérer la bouffe, il faut gérer le salaire des gars. Et puis la fatigue, pas mal de choses. L'inventaire, entre autres. Arngrim, tu passes ton tour. Mais en fait, plus il y a de gars qui passent leur tour, plus les gars ils pop, quoi. C'est vraiment nice. Ah, on est d'accord. Louak. Louak, mon petit Louak. L'ours, il est vénère. Hein. Il est vénère. 384 PV, hein, l'ours. Hein. Il est maxi vénère. Hein. Ah, bah, s'ils arrivent par là, on va se scinder. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et toi, tu vas back. Voilà. On va leur tendre une petite embuscade quand ils sortiront du poison.
Le frité. Ah, le frité, oui, oui, oui. Tu parles frité, c'est-à-dire le battre, le faire frire. L'ours, oui. Bah, il y a bien moyen, oui, oui, on va se le faire, on va se le faire. On n'a pas peur d'un ours, hein. On n'a pas peur d'un ours. L'élite qui nous a mis une race hier, il avait 1250 points d'armure et 800 points de vie. Donc ouais, c'est pas l'ours qui va nous faire peur. Hein. Ça, je te le garantis. Hein. on se cale, on avance. Il y aura qui va de à l'heure, bien sûr. Qui va de à l'heure. Toi, on va faire en sorte que... Ah, t'as quand même tout ça en... Tu te déplaces, d'accord. Ben, on va back juste ici. Comme ça. Comme ça, on va pouvoir se le prendre après. Ah mince, c'est pris du poison. C'est pris du poison, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pouvoir le soigner. Au pire des cas. Au pire des cas, on le soigne avec Hawk. Voilà. Et tu repars là. Oh là là, tous ces animaux qui pop quoi. C'est, en fait, ça va être long quoi. Ça va vraiment être long. Toi, tu te mets dans la file. Il y a le nounours. Ouh. Est-ce que le nounours, on va pouvoir l'attaquer avec le coup? On verra. On verra au prochain tour. En plus, il y a Kratos qui va s'amuser. Je pense que Kratos va très très bien s'amuser. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Hein. On n'y arrivera jamais. Toi. Est-ce que. Non, ok. Bon, même animal, on te fait avancer. Ici, pour être plus précis. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Tchac, ils sont 12. Mais on va commencer à les poutrer. On va commencer à les poutrer. On commence par l'ours, bien sûr. On lui met un petit coup. Et toi, est-ce que tu touches l'ours? Oui, tu touches l'ours. Le râteau, non. On va se mettre ici, parce que visiblement, l'ours, il bloque le passage. On va mettre son compte à l'ours. On met son compte à l'ours, hein, parce qu'il commence à le mériter. Hein. Il commence à le mériter, hein, son coup. Erina. Erina qui va... Ah, si ça critique, il y a moyen qu'elle achève l'ours. Hein. Ça critique, il y a moyen. Et là. Voilà. Adieu le nounours. On aura de la cuisse d'ours pour ce soir. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Ou du flan. Merci. Merci. Merci d'avoir. Allez. On se figure à taupe. Comme ça. C'était prévu. Hop là, on avance encore, histoire de pas se faire avoir par le nuage de moustiques. Tac. On va prendre Auréa. Et puis on va la faire tanker. On va la faire tanker. Parce que bah, c'est un tank. Voilà, c'est aussi simple que ça. La fièvre, ok, t'as piqué la fièvre. Mais on va te faire tuer ce rat. J'espère qu'il faut vraiment les tomber, ces animaux. Ça n'a plus aucun sens. Ils n'arrêtent pas de pop. En plus, 133 de vie, les sangliers. Ils sont niveau 7. Hein. Ils pop niveau 7. Alors que eux-mêmes, ils sont niveau 6, les ennemis. Donc c'est... Ouais. Il va y avoir tellement de bouffe à la fin de ce fight, ça ne veut plus rien dire.
de plus rien dire. Donc lui, il touche pas. Voilà. Il se fait presque tuer par le nuage de poison. On va garder le tour de Arngrim. On va prendre Kratos. Il va commencer à s'attaquer au sanglier. Avec son petit coup. Comme ça. Voilà. 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 Et puis c'est très bien comme ça. C'est ce qu'on appelle un petit carnage. Un petit carnage. Donc lui, il va faire appel. Ils vont se péter le bide. Ah ouais, ça par contre, c'est clair et net qu'ils vont se péter le bide. Hein. On est d'accord. Hein. Ça va y aller, hein, du loup grillé avec du rat, avec du sanglier, du porc d'ailleurs. C'est le porc. C'est le porc. Ça va être ça va être un festin, je pense, vraiment. Donc c'est les unités animales. Hein. On est d'accord, c'est les unités animales. Arngrim qui va s'occuper de lui. Voilà. Et puis, tu te mets ici. Petit barbecue, c'est ça. Barbecue apéro. Puis bah voilà quoi. quoi de plus normal. Il en faut pas plus, il en faut pas plus pour être heureux. Il en faut pas plus. C'est ça la vie, mais oui, Taoré, c'est ça. C'est exactement ça. Quand t'as compris ça, ça va. T'as compris le principal. Allez, on prend le whack. On prend le whack et puis on engage notre bloqueur ici présent. Oula, voilà, on l'attaque allègrement. On lui met des petits coups. Maintenant, tank. Bah, tu vas aller tuer du loup. Du loup et du rat. Du loup et du rat. Mais d'abord le loup. Voilà. Et puis. Bon, on va l'achever. On l'achève. On l'achève. Parce que faut pas déconner. Hein. Voilà. On prépare pour le coup d'après. Voilà, comme ça. Oui, bah, je peux me taper, hein, y a aucun problème. Donc. Tchac. Comme ça. On engage le râteau. Puis bah, il fait pas grand mal. Donc, on va rester comme ça. On peut utiliser deux points de compétence. Ok. Kratos. Ah non, il bloque carrément lui. Ah non, mais c'est horrible ça en fait. C'est horrible. C'est horrible. Et eux, pourquoi ils bougent pas les sangliers? C'est eux qui font pop des gars à l'infini là. Ah là là. J'avais pas vu la topographie comme ça. On va passer par là, hein, visiblement. Visiblement, ça sera le plus rapide. On passe notre tour. Oui. Par contre, il fait mal, lui. Il fait mal, il a passé la garde à zéro. Donc, on va essayer de... Ouais. Comme ça. On va se mettre comme ça, on va pouvoir attaquer celui-là. Il fait mal, mais il prend cher. Hein. Ouf, qu'est-ce qu'il prend cher? Bah on tue, hein. Bah oui. Ah oui, on te tue. On sort de la zone, parce qu'on veut pas se faire taper par notre ami Tank. Il fait mal, hein, Tank. Il fait mal. Mine de rien. Bah toi, Kratos, désolé, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Là, tu passes ton tour. Merci. Toi, tu avances. Tac. Le sanglier. Ah, qui vient, qui arrive pas dans la zone. Il se traîne les fesses. Hein. Il se traîne vraiment le cul. Oh là là. Et eux qui sont à la traîne, bien sûr. Ce combat est inutilement long. Qu'est-ce qu'il est inutilement long, quoi. Je roule sur les ennemis. Mais en fait, ils restent dans leur coin, ils bougent pas. Et c'est ça qui fait chier, en fait. C'est vraiment ça qui fait chier. On se met comme ça. Tac. Maintenant, Tank. Donc tu vas faire ton coup. Dans le vide, bien sûr.
On va se débarrasser de ce sanglier qui arrête pas d'appeler des potes. Parce que ça, ça saoule. Allez. Et 46. Allez, tu passes. Non. C'est triste. C'est tellement triste. C'est pas grave. On va prendre Ménénal. On va l'achever. On va l'achever comme ça. Quoique. Oui, on peut repartir. On l'achète comme ça. Et lui, on va achever ce râteau ici. Un râteau. Le râteau. On va prendre Auréa. Et puis on va doucement aller vers nos très chers amis ici présents qui ne veulent pas bouger. Ça serait pas bête aussi que Louak sorte les doigts du cul. Ça serait pas mal. Ok. C'est décidé. Tuck, on va prendre par ici. Ah, enfin. Enfin, il boue. Enfin. Oh là là. Alléluia, quoi. Alléluia. Mettre un petit coup de hook. Hook, il va sniper. Hook, il va sniper. Ça, c'était écrit. C'était totalement écrit. Toi, bien sûr. Ouh, le one. Ouh, ça fait du bien, ça. Un petit 117. Ça fait du bien. Par où ça passe? Petit coup. Arngrim. Oui, bah, ça sert pas à grand chose, hein, Arngrim. Ça sert plus à grand chose. T'es un peu trop loin. Ouais, bah casse-toi. Bon, on s'en fout maintenant. Tchac. On va prendre Louak. Louak qui va aller tanker ce sanglier. Voilà. Comme ça. Comme ça. C'est ça qu'on veut. Hawk qui va l'achever. Bien sûr. Ah oui. Vos ennemis sont démoralisés et s'enfuient, mais vous les laissez partir et remporter l'affrontement avec plaisir, avec grand plaisir. Ouh, et ben, Louak est devenu fine lame. C'est bien ça, non? Fine lame. Critique et dégâts augmentés de 5% si équipé d'une arme à une main. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va prendre tout. Ouais, c'est que Digno aussi, de toute façon, c'est pas non plus le rêve. On va pas réparer. On va pas faire la bêtise de réparer alors qu'on a le forgeron juste à côté. Hein, ouais. On va faire ça. On va essayer de la jouer un petit peu intelligent. Si possible. Si possible. Tac. Tchouk. On répare. Jure, on répare. On va rendre la prime, tant qu'à faire. Allez, on collecte la prime. On est bien à un niveau thune, on est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Alors vraiment pas mal. Toi. Ah oui, c'est vrai, on avait réussi. On l'avait convaincu de garder le réfugié ici présent. On avait convaincu notre ami. Donc, on va repartir. On va repartir. On repart. Ah, la prime, c'est eux. Aide demandée. Les traqueurs ont signalé des cadavres de loups dévorés par ceux qui semblent être des mâchoires. Okay. Trouver les pestiférés et les tuer avant qu'ils ne s'attaquent à la population. Ok. Donc ça, c'est un contrat. Bon, je le ferai sur le retour. On va d'abord faire l'endroit qui était l'endroit là-bas. On va d'abord faire l'endroit qui était ici. Tac, arbre du pendu, on a visité. Tout ça, on a visité. Ah, il y a des crocopores ici. On va essayer d'éviter les crocopores. Oui, on va éviter les crocopores, par pitié. C'est quoi? C'est un cul-de-sac? Comment ça se passe? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est un cul-de-sac?
Non, c'est pas un cul-de-sac. Allez. Fais un petit sprint. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, malheureusement. Malheureusement. Tchac, tchac, tchac. Ouais. Ah, tristesse. Tristesse. C'est le dégoût ultime. Bon bah du coup, on va aller voir ce que c'est cette... Oui, c'est un point d'interrogation, ça. Hein, on est d'accord. Ah, ferme de Moritargre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux groupes. Quoi, ils veulent se foutre sur la gueule? Comment ça se passe? Alors, Moritargre, c'est chez toi, ça, hein? Je l'ai déjà dit à la juge et à la garde. Ma femme n'est pas ici. Ok. Juge Bréguissa. Nous sommes venus chercher l'épouse de Moritargre. Nous ne partirons pas sans elle. Ok. Un pestiféré l'a mordu, devant témoin. Sa maladie est attestée. Nous compatissons à la peine de sa famille, mais les lois d'Arag interdisent de protéger un individu qui pourrait nuire à la communauté. Elle doit mourir. Ah bah, d'accord. C'est pas cool. Et c'est quoi notre boulot? C'est de la trouver, c'est ça? Ah. Ah la pauvre. Ah oui, elle est pestiférée, oui. En effet. Elle est pestiférée. D'accord. Il va falloir lui parler à elle, mais avant, on a un petit coffre ici. Un petit coffre qu'on va s'empresser d'ouvrir. Alors, petit crochetage des familles. Non, oui. Un crochet. Ah. Dommage. Deux crochets. Et on crochette le dernier verrou. Non, ça veut pas. C'est bon. Alors, qu'y a-t-il dans ce petit coffre? Une babiole, du charbon, du tissu. Ok, d'accord. On va parler à l'épouse. Bon, pitié, ne dites rien. Ah bah tiens, on va te soigner, on a plein de remèdes, je crois. Ouais, on en a 12. Allez, tiens. Fais-toi plaisir. C'est l'équipe qui régale. C'est incroyable. Tous les stigmates ont disparu. Je me sens bien. J'ai même envie de manger du pain. Bah, c'est bien. C'est très bien. On est content pour toi. Tu veux manger du pain, c'est merveilleux. Allons parler à la garde. Ils n'auront plus de raison de me rechercher. Bah oui. Faut pas la tuer, faut la soigner. Vous êtes bête ou quoi? Vous avez soigné cette femme? Par quelle sorcellerie? Je vois, vous aviez l'un de ces remèdes d'Alazar. Vous êtes montré bien charitable, mercenaire. Je vous conseille de faire attention à la manière dont vous dépensez ce genre de ressources à l'avenir. Il est presque impossible de s'en procurer à Luderne. D'accord. Sur ce conseil, il est temps de partir. Nous n'avons plus rien à faire ici. C'est ça, cassez-vous. Mercenaire, je ne sais pas par où commencer. Vous venez de sauver notre famille entière. Croiser votre route est un cadeau des dieux. Acceptez le mien, je vous en prie. Obtiens... collier à dents. Ah, ça serait utile hein, si on avait des compagnons à quatre pattes. Hein, mais on n'a pas de compagnons à quatre pattes. Mais merci quand même, j'apprécie. Ça va se revendre. Et puis, sans crown, ça fait toujours plaisir. Il n'y a plus rien à... Ouais, non, là, c'est du vol. On va éviter, histoire de pas avoir la garde au cul. On va parler aux marchands ici. Parce qu'ils vendent des armures. Armes et armures. Ouh. Mais. Plus 88 d'armure. Ah oui. Bon, tu perds en critique, toi. Plus 60 en armure. Et toi, Hawk, tu perds 4 en critique si tu t'en équipes.
toute façon, on s'en fiche. Toi, tu vas pas au corps à corps, donc on va la mettre à Tuck. On va la mettre à Tuck. Hein, voilà. On l'achète, bien sûr. Bien sûr qu'on l'achète. Et on la met à Tuck. Voilà. Il fait un peu plus bandit comme ça. Le style. Le style. On va vendre, on vend. On vend ça aussi. C'est des babioles. Ça sert pas à grand chose. Et puis on est bien, on repart. On repart. Voilà. Tadam. On commence à explorer ici. Visiblement, il y avait un chemin qu'on n'avait pas vu. Ah, on va se reposer, bien sûr. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ouais, on va se saucer niveau point de bravoure. Et puis en fait, deux, ça sert pas à grand chose qui joue. On va les mettre là. Puis on va manger. On se met les carcasses. On se met les carcasses avec un peu de crocoport. On va faire péter les côtes de loup à la bière. Côtes de loup à la bière. Ça va faire plaisir. On va agrémenter ça avec du vin. Et puis on verse le salaire. Le salaire de nos compagnons. Et on se repose. Voilà. Oh ! On a une antiquité. Kratos a réussi à déchiffrer l'antiquité. C'est à revendre, donc ça sera à revendre. Allez, hop. Ah, aucun cas de conscience. Alors, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Le ventre bien plein et les dents du fond qui baignent. Rien de tel pour être en forme le lendemain. Alors, lever le camp, chanter, racler. Ah, mais c'est bien tout ça. C'est très bien. Obtient vigilant. Lever le camp plutôt que d'habitude. On va plutôt prendre ça. Bruyant. Ah non, bruyant, c'est pas cool ça, bruyant. Il est plus un de relation avec tout le monde. Ouais. On va peut-être le tenter. Et ça, c'est obtient rassasié. Je sais plus ce que c'est rassasié, mais j'imagine que peut-être qu'au prochain campement, il aura pas à manger. On va prendre ça, on va chanter. On va chanter, on va faire du bruit. Comme ça, on va avoir une bonne agro. Et on repart en exploration. Ah, un petit peu de consoude. Et puis, il y a un village maudit ici. Il y a un village maudit. Comment on fait? Est-ce qu'on peut utiliser un python? Les pitons. Il nous en reste 4. Oui, on peut. On peut. Ah, c'est vraiment là. Hein. Ok. On pose. On est reparti. Ah, quoi qu'on va peut-être finir l'exploration de la forêt. J'ai entendu quelque chose où il y a des loups. On va essayer d'éviter les loups. Hein. C'est quoi ça? Il y a un coffre. Il y a un coffre. On va essayer de rester en dehors. Oh bah ça, c'est très bien. On prend le coffre. Alors, vous avez découvert un secret. Maîtrise de compétences. Oh, d'accord. Ça va améliorer une compétence déjà existante à l'un de nos compagnons. Bah, on va l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser tout de suite. Je crois que c'était Louak qu'on n'avait pas amélioré. Ou lui. On va améliorer Tuck, je pense. Ouais, on va améliorer Tuck. On va améliorer son attaque. Voilà. La compétence frénésie a été améliorée. Il fera encore plus mal dans le dos, donc c'est merveilleux. On a découvert un petit secret. Ça a l'air d'être un bord de map, oui. Allez, on continue. Tac, tac. Alors, d'accord, village maudit. Qu'est-ce que c'est que ce village maudit? Ah, c'est un nouveau gameplay, j'ai l'impression. Alors, constituer une troupe de reconnaissance pour explorer un village faisant le moins de bruit possible pour ne pas attirer les pestiférés. Ok. Sachant que la majorité de notre groupe est composée de mecs en armure lourde, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Hein.
Ménénal. Non, on va prendre d'abord. Ouais, on va prendre les cuirs. Erina. On va prendre Hawk. Donc ils sont silencieux pour l'instant, c'est bien. Le poney, il est silencieux ou pas? Non, non. Il faut prendre des gags de la volonté. Je vois qu'il fait, il fait quand même du bruit. Ça a l'air de passer. Ouais, ils ont à peu près tous le, la même volonté hein, maintenant. Kratos. Ouais, il fait un peu moins de bruit. On reste silencieux, c'est bien. C'est bien ça. Et puis, Ménénal. Voilà. On reste silencieux. Et puis, on a notre groupe. On a notre groupe et on a même un tank. On a le WAC. Ouais, c'est très bien, on confirme. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, on explore le village, c'est ça? Donc ben, on va explorer. Ouh, on a fait du bruit, visiblement. On va déverrouiller ce coffre avec Hawk, notre ouvreur de coffre. Et de 1. Non, c'est pas passé. Et de 2. Ah. Et de 3. Ok, tac. On prend l'argent. 105, c'est très bien. Bah on pille ce qu'il y a. Ah bah très bien. Bah on avait déjà pas mal de crochets, donc... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut inspecter. Il y a quelque chose à inspecter, là? Uélide vous ignore. Ok. Mais moi, je vois rien, en fait. Il y a rien du tout. Ok. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. Tchac. On va... Donc ça, c'était la taverne. On va explorer, on va continuer. Hein. On va continuer. Alors, un violent courant d'air traverse la pièce. Vous entendez un grincement sinistre. La porte par laquelle vos compagnons sont entrés est en train de se refermer. D'un instant à l'autre, elle va claquer et révéler votre présence. Mais peut-être vous disposez d'un compagnon assez habile pour l'arrêter. Bah oui, bien sûr. Assez habile. La dextérité habile. Visiblement. T'as 63... T'as 63, Tuck. Tuck, il a 54. Erina, 66. Bon, on va prendre Erina. On va prendre Erina. Allez. Erina parvient à retenir la porte du bout des doigts in extremis. Avant de la fermer avec prudence. Ok, bah, c'est cool ça. C'est bien cool. D'accord, c'est sympa ce petit gameplay en mode faut rester en fufu. Allez, on récupère un peu tout. On déverrouille ce coffre, bien sûr. Bien sûr, bien. Ouf, oula, oula, oula. Il y a un petit bug là. Il y a un petit bug. Et ça devrait pas trop poser de problème. Ah. C'est perturbant. C'est perturbant. Le bug. Ok. Ça veut pas. Ça veut pas. Ah. Ok. Ah, on a trouvé. C'est par là. Ça devrait être là. Non. J'ai l'impression que c'est... Ouais, ils sont bien ouverts quand même, ceux-là. Un plan de lutte. On va apprendre à bricoler un lutte. D'accord. 100 pièces, 100, enfin, 100 dollars, c'est parfait. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a inspecté ce petit sac. Ça, ah, pardon. Ce sac est rempli de vaisselle, de bibelots et d'outils rouillés. Pourtant, au fond, vous entrevoyez quelque chose de brillant parmi le tout fourbi inutile. Un compagnon volontaire avec beaucoup de détermination pourrait s'en saisir. Allez, hein. C'est qui a le plus de détermination? C'est quoi?
quoi détermination? C'est la volonté. Détermination. D'accord. On va dire que c'est la volonté. Hein? C'est-à-dire que c'est la volonté. Donc toi, t'as 14 de volonté. Toi, t'as 13. Ok, c'est Loua qui a le plus de volonté. Avec beaucoup de patience et de calme, Loua parvient à se saisir des objets. Vous avez obtenu 5 saphirs. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, bah, on a tout vidé. On a tout vidé. On a tout vidé. On peut sortir. Bah, on va continuer l'exploration. Hein. Ça, c'est quoi? On dirait une hutte d'apothicaire. Hein. Ouais. On va peut-être essayer d'aller là. Ça va peut-être être une forge. Ouh, 70 de bruit. C'est bien. Qu'est-ce que c'est ici? Ah bah non. Ok. Tandis que vos compagnons fouillent les étagères, l'une d'elles se décolle lentement du mur. Un compagnon suffisamment fort pourrait soutenir son poids et empêcher sa chute. Oui, bah oui. On va pas la laisser tomber. Hein. On va pas laisser tomber. Kratos, t'as 62 en force. C'est bien. Hein. C'est pas mal. Hein. Oui. Hein. Oui, Kratos. On va prendre Kratos. Kratos parvint à bloquer la chute de l'étagère, puis à la remettre droite. Ben, c'est très bien. Et du coup, ah, on peut looter. Du sel, une fiole, un cœur pour crafter des potions. Et ici, oh, une huile d'essence pestiférée. Ah, c'est gratuit ça. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Persil des marées. Tchac. On va sortir. On va sortir et puis on va explorer le, bah, le dernier endroit. Hein. On va explorer le dernier endroit. Ouh, 94 de... Ouh, oula, il y a un pestiféré. Au centre de la pièce se trouve un pestiféré qui ne vous a pas encore repéré. Vous pourriez repartir ou tenter de l'éliminer en toute discrétion. Bah bien sûr. Bien sûr qu'on va l'éliminer en toute discrétion. Et Erina hein. Erina 60... Non, la discrétion, ça serait quoi? Bah, c'est un voleur, je veux dire. Erina, quoi. Sinon, Tuck. Mais Tuck a moins de dextérité, donc je sais pas. Je sais pas si c'est la dextérité qui entre en compte ou pas. C'est l'inconnu total. Allez, Erina. Erina se faufile jusqu'au pestiféré et le tue, sans un bruit. Parfait. Parfait, parfait. Ouh, lanière de cuir. La garde augmentée de 10%. Mais c'est cool ça. C'est très cool. C'est très cool. On ramasse le sang infecté. On pille. De l'alcool. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on crochette ce petit coffre. Petit coffre rouné. Ouvre-toi. Ouvre-toi mon coffre. Voilà. Ah là là. Et le troisième. Ah. Ça qui est bleu. Le troisième. Ah non. Non, ça veut pas. Voilà. Voilà, voilà. Oh, petit gantelet. Alors les articulations des doigts sont laissées mobiles grâce à un délicat travail d'artisan. Dégâts augmentés de 50%, mais cette unité peut seulement utiliser une action de base. Ah ouais? Ah ouais? Ah bah, ça doit servir, hein, je pense. Hein, ça doit servir à une classe. Je sais pas qui. Je sais pas qui, là. Mais on va le garder, quand même. On va le garder. On prend l'argent. On prend l'argent, et puis, ben, on a fini. On a fini, on va sortir. Et puis voilà, on s'est occupé du village, j'ai rien d'autre à looter. Bah on s'éloigne et on a fait ce village. Ça dit pas qu'on l'a fait, mais bon, c'est pas grave. Nous on sait qu'on l'a fait. Et si je veux rentrer, il me le redemande de former une escouade. Non, ça va. Ah ok, d'accord. J'avais pas vu ici dans le coin. Il y a la population, d'accord, troupe de reconnaissance, ok.
D'accord, bah c'était sympathique. C'était bien sympathique cette petite exploration de Laitière, le village maudit de Laitière. Ouais, on va s'occuper d'eux et on va essayer de les prendre par derrière, bien sûr. Non, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On va les prendre. Voilà. Niveau 7, ils sont 9. 9, bien sûr, en comptant le caporal. Allez. Allez, allez, allez. Du 9 contre 9. Bah, ça va aller très très vite aussi, je pense. Ils ont un buff. Donc s'ils ont un buff, il faut trouver leur capitaine. Leur capitaine est ici. On va laisser Arngrim là. Et puis il y a deux ici, ils vont bien s'en occuper. Quoi que non. J'ai envie de mettre. Je vais mettre Ménénal avec Armirine. Je vais mettre Tank. Oui, je vais mettre Tank avec Louwak. C'est très bien. On va pas te mettre à côté du nuage de moustique. On t'éloigne, bien sûr. J'ai envie de mettre Erina. Ouais. Ils sont 4 ici. Ça va faire bobo, je pense. Ça va pas mal faire bobo. Puis on met Hawk là. Qui attaque ok. T'attaques là-bas en premier. Mais on va prendre Auréa pour engager. Pour engager le chef. Allez. Pas mal de PV, hein. Il a pas mal de PV. Non. On va. Toi, tu joues en prochain et après, c'est toi. On va prendre Louwak et puis on va engager ce Soudar ici. On peut pas avoir les deux, c'est dommage. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est parfait. En plus Kratos il va pouvoir s'en donner à cœur joie. En faisant ça, en l'occurrence. Tu vas te caler là et tu vas engager lui. Bon finalement tu vas le tuer. Tac. On essaie de le tomber. On essaie de le tomber. Ok. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. On va s'occuper du Renéga. Voilà. Et on bat. On va enfin jouer avec Arngrim, qui normalement devrait pouvoir toucher les deux. Oui, voilà, ça c'est bien ça. Et puis tu vas engager. Oui, je crois que c'est celui qui fait le plus mal. Tu vas engager lui. Comme ça. Voilà. Et on passe. Et... Non, non. Le misclic. C'était le misclic. Ah bah ok. Ok, ok. Le misclic. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ah là. Ménénal, Ménénal. Qu'est-ce que c'est triste. Ok. Est-ce que toi, si tu l'engages là, tu... Oui, tu vas le taper, hein. Tu vas l'engager. Et... Oula, oui. Tu vas quand même le faire. Et toi, on va faire en sorte que tu te barres.
Ah, ben voilà. C'est bien, Irina, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouf, ça fait mal, hein. Voilà. Alors, je sais qui va jouer, c'est toi. Donc, Arnirin va se mettre ici. Il va donner son petit coup. Voilà. Et tu vas l'achever ? Ah, tu l'achèves pas. Et là, tu l'achèves ou tu l'achèves ? Tu l'achèves. Eh bien. Ben voilà, on va s'arrêter. Ouais, on va faire ça. Et on l'achève. Toi, on s'en fiche un peu. On va s'occuper de ce qui se passe ici. Toi, tu vas te désengager. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas l'engager derrière. Souci, on va donner le coup. On va donner le coup. Voilà, ça fait du bien. Par où ça passe, ça c'est moi qui me dis. Et puis, on va s'occuper de lui. On va s'occuper de lui. Voilà. Ça va faire bobo. Donc, on va prendre Hook et on va achever celui-là. Oui, décemment, on peut se le permettre. On peut se permettre qu'il se désengage, c'est pas un souci. On a plein de tours à jouer. Ah. On va passer ton tour, non. Ouais, on va passer mon tour parce que toi derrière tu vas faire ça. Oh, ouf. Ça fait beau. Hop là. Et on l'achève. Les adversaires sont démoralisés et s'enfuient. Bah il en reste qu'un, hein. Non. On va l'achever. Voilà, fais ton coup. Ah bah, c'est qui aura la plus grosse? Bah, je crois que t'as perdu. Ouais, je crois que t'as perdu. Alors, les crônes, ok, c'est maigre. Hein. C'est assez maigre. Oh là là, qu'est-ce que c'est maigre. On va réparer parce qu'on est quand même pas mal loin du campement. Enfin, du campement de la ville. Ouais, on se permet de réparer. Voilà. Et donc ici, c'était bloqué, hein. Ouais. C'est bloqué par la montagne. Et là, on dirait aussi que... Ouais, tout à fait. Il y a des crocopores là qu'on va essayer d'éviter. Un petit sprint. Allez. On essaie de les mettre dans le vent. On les a mis dans le vent, on ramasse et on les laisse tranquillement. Ah mince, j'ai un peu trop regardé autour de moi. Pas fait attention. Donc on a fait toute cette zone. Là c'est le bord de map tout là. Tout ça c'est le bord de map. Donc il nous reste cet endroit à explorer. Et ça c'est en fait ouais. Ah d'accord, mais c'est dans la zone. C'est dans la zone du comté de Tiltren. D'accord. Ok. Allez. On ramasse le persil démarré. Ouais, ça a l'air d'être l'apocalypse là-bas. On va les laisser. Ils sont bien.
Ils sont bien tout seuls là-bas, hein. Enfin, entre eux. Ici, on l'avait fait, ici. Oui, on l'avait fait. Donc ça, on a fait... Okay. Bah du coup, on aurait peut-être pas dû réparer, parce qu'on va aller à la ville. Oui... On va passer par là. J'aurais dû mettre un piton ici. Je pense que ça serait pas mal de mettre un piton ici. On va se reposer. On a 10% de danger de se faire attaquer. D'accord. On va mettre quelqu'un. Parce qu'on a le tabouret de veille qui va réduire les chances de se faire attaquer pendant que nous sommes en train de nous reposer. Le bonheur, on est déjà bien en bonheur. Hein. On a trop même du bonheur. On a trop de bonheur, donc on va prendre des points de compétences. On va mettre Hard Grim ici. Comme ça. Et toi, tu vas aller là. Voilà. Allez. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, c'est vrai que la carte pourrait se faire, les cartes. On va se cuisiner ça rapidement. Ah, on a du pain aussi, c'est vrai. On va faire 6 morceaux de pain. On cuisine. Voilà. On va faire de la carpe grillée. On va en faire 2. Et puis voilà. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Tac, tac, tac. Ça. On avait mangé ça. C'était bien ça. Ça faisait des dégâts critiques augmentés de 20%. C'était cool. Mais on va prendre du champi. On va manger du crocopore. Prendre du pain. On va enlever un champi, on va prendre un rat et on va prendre du vin. Allez. Ah, on a le soldat versé. Bien, on est bien en point de compétence là. On est bien. On est plutôt pas mal. C'est cool. On a récupéré tous nos points de bravoure. C'est génial. Oui, on va verser le salaire. Comme ça, c'est fait. Et puis, bon, on va repartir sur la route. Hein. On va repartir sur la route. Toujours eux à se faire, potentiellement. Je pense qu'on va se les faire. Ouais, on va se les faire. On se les fait. Oh. Vous devez nous aider. Ok, Deiba. Trouvez les contrebandiers. Ils ont les potions. Donnez-nous les potions. Ah, c'est bien, vous arrivez à vous exprimer déjà, c'est cool. Alors, 3 remèdes contre la peste. Ok. On va leur donner des rats. Non, on va donner des remèdes contre la peste. Ils ont vraiment une sale gueule. Hein. Oh là là. Ah ben oui. Ah bah ça fait des miracles hein, ce petit remède hein. Deiba. Oh bon sang, j'ai l'impression de revivre. Ah bah tu m'étonnes, la tête que vous aviez quoi. Au moins vous ressemblez un peu plus à quelque chose hein. Dépouilleux mais vous ressemblez toujours à quelque chose. C'est déjà ça. Est-ce que vous voyez un changement? Avons-nous moins de bubons? Je suppose qu'il nous faudra une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Bon ça va. Vous avez bien récupéré, là, honnêtement. Vous avez bien récupéré. Puis vous en trouvez contrebandier. On peut vous donner ce qu'on comptait troquer avec eux. Merci, mercenaires. Je ne sais pas si on les aurait trouvés à temps. Ah, merci. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. On a complété une mission. On a sauvé des gens. On n'a pas eu à combattre. C'est très bien. On va aller prendre une aide. On va regarder s'il n'y a pas des outils de forge à vendre. Mais oui, très très bien. On se gave de matériaux bruts pour pouvoir réparer nos armures. Tchac. Et puis, on sort tranquillement. On va reprendre notre exploration, parce qu'on n'a plus rien à faire ici. Quoique. On va juste rendre les primes, très vite fait, histoire de collecter notre dû. Voilà. On peut repartir. Et on repart. Ouais,
le nuage de moustiques. Commence à y avoir du brouillard. Cette fois, c'est une prime, ça. On va se les faire. Ouais, on va se les faire. Ah, on n'a pas réussi à les avoir en embuscade. C'est pas grave. Niveau 6. Ça devrait aller assez vite, quand même. Ils sont 9. Mais ça devrait bien se passer. Alors, le buff qu'ils ont, soif de liberté, une unité de déserteur à galvanisation. Tant qu'elle est adjacente à au moins 12 autres ennemis. Ok. Le placement. Le chef est ici. Donc, bien sûr, engager le chef pour qu'ils perdent leur buff de groupe. Sinon, ben, là, ils vont avoir, en l'occurrence, 30% de dégâts réduits en moins. On va mettre un tank ici. On va mettre le wack. Ici, on va mettre tank ici aussi. Tank, juste, ça, juste elle s'appelle, il s'appelle tank. Ménénal, non, on va pas te mettre ici parce que là t'es toute seule. On va plutôt te mettre là. Et puis on va, parce que là en fait ils sont trois. On va réfléchir deux secondes. On va mettre Arngrim là. Kratos, on va le bouger là-bas. Parce que Kratos il va pouvoir faire des dégâts. Ouais. Ok. Là on est bien. J'ai presque envie de prendre Auréa et de la mettre là. Comme ça elle pourra tanker tout ce qui se trouve ici, même là. Voilà. Comme ça ils sont à deux à s'en occuper. Bah, c'est très bien comme ça, on va commencer le fight, je pense. On va mettre Toc ici. Et puis en fait, on va le mettre là. Et puis c'est très bien. C'est très bien, on va commencer. Alors. On va prendre Arngrim et on va engager le chef. Voilà, on va d'abord lui mettre un coup hein, pour faire tomber sa garde à 0%. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Ok. Ben ok, mais toi, ça sert pas à grand chose, hein. Sert pas à grand chose, on va te faire mal, je pense, toi. On va te faire très mal avec l'arme légendaire de Kratos. Voilà. Ça fait du bien. Et on va t'achever. Voilà. On prépare Kratos pour le tour d'après. On met ici. Alors toi tu vas engager tank. Oh, même pas. Tu prépares une attaque. C'est assez facilement esquivable hein, leurs attaques. Tant qu'on joue avant eux ou au round d'après, c'est assez même là quoi, voilà. La preuve. Oui, on va faire un petit coup. Et on va setup le kill pour après. Voilà. Avec pour Arngrim, il n'y a aucun souci. Arngrim qui riposte, mais par contre il a désengagé. Ah. Bon. Mission exploser. Non, on va prendre Irina. Irina qui va se mettre ici. Un petit coup. Hop là. Voilà. Et puis on l'achève. Bon, on l'achève. Choum. Parfait. Parfait, parfait. Tu vas back un petit peu. Voilà. Et Kratos qui se fait engager, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Ouh, ça va. Auréa qui. Bon, ça va. Ça va, ça va. Et un petit affaiblissement, ça lui fera moins mal. Renégat. S'occuper de toi tranquillement comme ceci, engage, fais baisser ta garde à zéro. Ah bah c'est parfait, il se réengage tout seul, c'est merveilleux. On n'a même pas à s'occuper de réengager. Maintenant Hawk, ah, j'ai envie que t'ailles dégommer les gars là-bas toi, en fait. On va faire ça. Ta visée, comme ça tu vas faire très mal. La visée comme ça, on va faire ça.
Ah, si ça avait critique, je pense que ça l'aurait one shot. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, on prend Tuck. Et on va suriner leur caporal. Ah, c'est très bien. Arngrim qui en prend dans les dents, mais il est là pour ça. On va prendre Ménénal. Ménénal qui va donner un petit coup à ce méga. Et puis, ben, on va l'embrocher. On va lui faire une petite brochette. Et puis, on va rester là-bas. On va pas se prendre les moustiques. D'accord, il touche son pote. C'est pas comme s'il pouvait l'éviter, hein. Donc, on va s'occuper de celui-là. Ça fait du bien, ça. Ouh, ça aussi. Et on l'achève. Voilà. Arngrim toujours aussi OP. Ah, bataille d'archer, j'ai l'impression. Je pense que je sais qui va gagner, mais... Spoiler alerte. Spoiler alerte. Voilà. C'était à prévoir. Maintenant, on va se mettre ici. Et on va... Ah, dommage. Je vais back, histoire de... Et puis, on va prendre... Ouais, je pense qu'on va... tuer avec l'Aurea. On va tuer Coréa. Exactement ce qu'on voulait. Ah bon, on l'achève. On va l'achever. Comme ça. Voilà. Et puis ben, on va achever celui-là aussi. Allez. Oui, on laisse s'enfuir. On les laisse s'enfuir. Ils sont niveau 6, ils vont pas lutter du stuff pour moi, donc... Ouais, elle est sympa, mais elle reste quand même moins bien que celle... Que celle qu'a Ménénal. On va réparer. On se répare tranquillement. Et on repart à l'exploration. Okay. Ah, ça a l'air d'être un cul-de-sac ici. C'est un cul-de-sac. C'est pas grave, hein. On marche arrière. On est encore bien au niveau de la fatigue. Ah, communauté de la lumière. Ah. D'accord. Bah, on va voir ce que c'est. Ah, c'est une communauté de la lumière en fait, c'est une série quoi. Ok, pas de soucis. Donc, Mère Mavima. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oh, pardonnez-moi, je suis sur les nerfs. Le malheur s'acharne sur notre petite communauté. Autrefois, nous mettions un point d'honneur à accueillir les nouveaux venus dans la foi et la bonne humeur. Okay. Mais ces enlèvements, cela nous a rendus tellement méchants. Les brigands s'attaquent à tous ceux qui osent s'éloigner de la Syrie. Rien que ce mois-ci, deux de nos fidèles ont été enlevés. Si vous les trouvez, mercenaires, ayez pitié de nous les ramener. Merci. Ok. D'accord. Frère d'Anélis, c'est ce que tu as à dire, quoi. Pendant la guerre, les missionnaires d'Edoran ont converti de nombreuses personnes à la religion de la lumière. Okay. Mais depuis la trêve entre les deux royaumes, notre communauté ne cesse de se réduire. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage. Sœur Camille. La garde se fiche que nous disparaissions. Nous avons toujours été exclus des villes, mais de là à nous laisser sans défense face à des brigands. Ok. Ah, et vous êtes vraiment abandonnés, quoi. Alors, y a rien. Que du bois, on peut s'en passer. Ah, ben on va continuer. Prendre des champis. Petit champi. Le bois là-bas, on va le laisser. Ah, il y a des sangliers. La forêt, là. Ah. C'est-à-dire la forêt a l'air dense, mais non. On atteint déjà la chaîne de montagne.
On évite les sangliers, hein. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'était du bois. Super. Petit camp tracker. Ah, une quête principale. Tracker aux aigles. Un homme étrangement habillé rôdait autour du tombeau. Nous avons essayé de l'arrêter, mais le bougre nous a vu arriver. Il a pris la fuite dans les marais, là où la brume est la plus dense. Quand nous avons finalement renoncé, ma sœur Senuna manquait à l'appel. Notre rôle est de protéger le tombeau des intrus. Nous ne pouvons pas le laisser sans surveillance pendant que nous cherchons Senuna. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Les trackers sont prêts à mettre le prix pour retrouver l'une des leurs. Ok. Compose promise. Ouh, cuir blanc. Ok, on prend. Allez, on a. Peut-être est-elle encore avec cet intrus. Il pourrait vous mener à elle. Nous le soupçonnons d'être un contrebandier. Peut-être que ceux qui errent sur les routes de l'Utherm en savent quelque chose. Ok. D'accord, il faudra aller mener l'enquête dans l'enfer de l'Utherm. Hein, donc, couper du bois. Mais arrêtez, c'est bon, on en a assez du bois. Veneuse Félissa. Bah on va te parler à toi. Tu vends, ouais, c'est ça, t'es vendeuse, toi. Tu vends que ça. Okay. On va te prendre les pitons. Toujours utile de prendre des pitons. Et puis, bah, on va prendre du loup. Hein. Un petit peu de loup. Voilà. On va pouvoir le cuisiner. Puis voilà, bah ça. Ça, on a vraiment pas besoin. On sait pas faire. On sait pas faire les fruits confits. Donc voilà. Mais ça a l'air fat pour après. Hein. Ça a l'air fat pour après, ce truc. Hein. Ça a l'air d'être bien. Allez, on part. On part. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je peux vous proposer une traque si vous vous sentez capable d'affronter la meute fantôme. Ouais, allez. Ce n'est pas la priorité de notre camp, comparé à la garde du tombeau des anciens. Votre aide serait appréciée. Bah ouais. Oh ouais. Allez, je vous aide. La traque débute. Vous avez obtenu la traque de l'Utherm. Faites attention, ce n'est pas pour rien que la confrérie des traqueurs est née à l'Utherm. La meute y est féroce et ses apparitions fréquentes. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on a fait le tour. Oh, non, toi, on t'a pas parlé. J'ai suivi Senuna jusqu'à la colline de Garoussa, puis je l'ai perdu de vue. Ce brouillard dans la marée. Il vous glace le sang. Qui que vous soyez, de l'enfant au traqueur. Ouais, j'avoue, c'est. C'est assez prenant quand même, hein. Le brouillard, tu vois vraiment rien. D'accord, donc eux ils gardent un camp des anciens. Elle est où l'entrée? Elle est là? Non? Faut pas passer là? Visiblement non. Pas escalader non plus. D'accord. Ok. Bon bah on va faire le tour, on va se reposer. On se repose ici, histoire qu'on ait moins de chances de se taper les sangliers pendant le repos. Ah, on a notre poney qui a pris un level. Le poney. On va te mettre en constitution, hein. De toute façon, tu te bats pas. Donc, il n'y a que le transport qui est intéressant. Allez, on se repose, on va claquer un petit peu de bouffe, plein de champis, plein de pain. Pété champi avec un rat et du vin. Et puis on se repose. Alors, on a récupéré cette. C'est très bien. Ouais, très bien, on va faire un petit peu de nourriture. Pardon. On va faire des saucisses de loup avec le loup qu'on a acheté. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre. Ok. Ok, en inventaire on est vraiment bien, on est vraiment large, c'est pas mal du tout même. On va y aller, on repart en exploration. Donc, du coup, alors tout ça c'est bloqué, donc il va falloir faire le tour. Ici il y avait un petit chemin, enfin un chemin,
c'est vite dit. Évite la forêt pour aller plus vite. Ah. D'accord. Il y a un poste de frontière ici. Ok. D'accord. On prend un, c'est sur la route. Poste frontière des brigands. Alors, oula. Oui. D'accord, c'est un poste frontière. C'est vraiment rapiécé, quoi. Ça fait un peu pitié. Ok, donc toi, t'as l'air d'être le chef. Adinus. Ah, tu es la chef, pardon. Bah alors, mercenaire, on veut pas payer les postes frontières. On traverse le mont Altis parce qu'on n'a pas de quoi payer. Le laisser passer. Heureusement qu'on est là, sinon la garde serait dépassée. Allez, filez-nous 200 et on n'en parle plus. Oh. Ouais, on peut, ça va, on va s'épargner un combat. Ah, des gens bien élevés. Vous pouvez passer, on ne vous retient pas. Allez. Toi, t'es quoi, toi? Ouais, t'es un crocoport, toi. La créature ne vous lâche pas du regard. Bah oui. Et oui. Goldoram. Touchez pas au crocoport. Il mord. Kenyan. Payez ou partez, ok. Et toi, Lonenal, soit vous payez, soit vous partez. Bah, ça va, on a payé. C'est bon. Arrête de... Et donc du coup, on rentre dans une nouvelle contrée, là. Au mont Altis. J'entends des trucs qui bougent. Non, je crois que c'est nous, tout simplement. Ah, bord de map. Oui, c'est un bord de map. On avance. Ok, donc d'accord. On avance tranquillement. Auberge du Mont Altis. Ok, une auberge. C'est pas mal, une petite auberge ici. Il n'y a pas de collecteur de primes par contre. Taneus. Des étrangers, installez-vous, faites comme chez vous. Tellement rare d'avoir de nouvelles du monde. Bah oui, tu m'étonnes. Vous avez l'air d'être là, bien loin, vous. À se reposer, non. Non, hein, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Puis ça, t'es quoi? T'es qui, toi? Ah, c'est un vendeur. Il vend des pitons. Prendre des pitons. Et on va vendre un petit peu tout notre fourbi. Ah, c'est vrai qu'il y a ça à prendre. C'est vrai qu'on a eu ça. On va trier. Je pense qu'il y a des babioles dans le tas, oui. Il n'y avait pas une antiquité à vendre. Oui, lentilles de verre, ici. Et puis, on vend ça. Voilà qu'on soude, hein. Voilà qu'on soude. On a tellement, puis ça aussi, finalement. On vend. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va rester comme ça. Voilà, on est bien comme ça. On est très bien. On sait toujours pas à quoi sert cette clé, malheureusement. On part. Et toi? T'es un compagnon à recruter? Oui, t'as un sac sur le dos. Inspecter, niveau 4. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Bon, bah on se casse. Ah bah c'était juste ça, ok. On est reparti. Hein. On explore. On a 8 jours de nourriture. On a des prisonniers ici. Les prisonniers, on s'en fout un peu.
Il y a un campement là-bas. On va l'inspecter. 50 crowns. C'est pas mal. On crache pas dessus. On crache pas dessus. Ok, il y avait juste ça en fait. Et là, il y avait potentiellement moyen de mettre un piton ici pour gruger le poste. Est-ce qu'il y avait moyen? Non. Ah non. Ah. On voit pas. Hein. On voit pas. Oui, hein? Non? Oui, oui, il y avait moyen de gruger ici. Ah, on n'avait pas inspecté ça. Oh. Oh. Oui. C'est mieux. C'est mieux. Nouvelle arme pour un Grim. Et en plus, il va pouvoir... Et je crois que ouais, ça fait... Tempête de lame, ça fait une zone à attaquer autour de soi. Ça va être cool. Où il va pouvoir vraiment aller au milieu des ennemis et en toucher beaucoup plus. On va remonter. La meute fantôme. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de se faire la meute fantôme. Hein. Elle est ici. On la voit. Elle est belle. Elle va rester où elle est. On est en exploration. On va prendre la consoude. Ah! Et là, ça rejoint Tiltren. Ok. Bah, on va baliser. Hein. On va baliser. Python. Tac. On te place ici. Comme ça, on va pouvoir repartir par là. C'est toujours bien. Alors donc, non, parce que va falloir regarder un petit peu où ça nous mène tout ça. On va se reposer à l'auberge, hein, tant qu'à faire. On va se reposer à l'auberge, je pense. Hein. Ça sera peut-être mieux. Ça, on économise de tout. Oui. Allez, on se repose ici. 63, on est large, on a vraiment beaucoup de thunes. On est reposé, il s'est rien passé, c'est parfait. C'est pas une auberge de voleurs ou quoi que ce soit. C'est très bien. Alors, avec la carte. Ok, il n'y a que ce chemin. Inspecter. Alors, comté de Tiltren à l'ouest et région de Ulderne à l'est. Ok. Donc là, on va rejoindre ici. D'accord. Donc en fait, ouais, on est totalement sorti de la région de Ulderne, quoi. On est totalement sorti, quoi. D'accord. Il va falloir y retourner, hein, parce qu'il y a ce campement bras, visiblement. Il y avait une entrée, on l'a pas vue. Elle est peut-être ici, dans le noir. Je pensais que c'était des montagnes, mais visiblement, il doit y avoir une entrée. Donc... On va juste faire ça. On va juste faire le petit chemin. On va voir ce qu'il y a. Ah bah non, on peut monter sur la montagne là. On peut monter sur la montagne. Il y a quelque chose. D'ailleurs. On prend les iris. Il y a quelque chose dans ces forêts. Non. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose dans la forêt, c'est très bien. Ah, il y a un petit campement. Il y a un petit campement, on prend les iris. Oh, c'est bien ça, il y a plein d'iris. Voyons. Ici. Vous avez découvert un secret. Oh, 100 de chrome. Ça c'est pas... C'est bien, mais bon. C'est pas le top non plus. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut gruger hein, par là. Hein. On peut totalement gruger. On va mettre un piton. En prévoyance. Hein.
on balise toute la map, hein, histoire de... On crée des raccourcis. Oui, hein, c'est bon. Hein. Oui. Ça mène en bas au comté de Tiltren. Mais on n'est pas là pour faire Tiltren. On n'est pas là pour faire Tiltren. On va repartir. Ah, qui n'ai pas vu tout à l'heure. Ah, c'était mon dit. D'accord. Non. On ne va pas se faire attaquer par les bandits. Ah, ils lâchent pas, hein. Ah, c'est bon. On dirait un petit chemin. Ah, il y a un truc là-bas. Ok. On ramasse le minerai. Ah, on a fait le tour. Nous avons officiellement fait le tour. Est-ce qu'on peut monter là, non ? Non, on peut pas monter. On a fait le tour. On a rejoint Tiltren par là. J'ai une invasion de rats à faire, mais... Non. Nous cassons. On se casse, on retourne à Luderne. On retourne en enfer. On retourne totalement en enfer. Ah. Ici. Ah bah tiens, on va pêcher un petit peu. On va pêcher. Ah, peut-être qu'ils étaient dans ce forêt, hein, les bandits. Hein. On prend Ménénal. Et puis tranquillement, on pêche. Ah, je me suis foiré, d'accord. Je pensais pas. Comme quoi, hein, il faut une première fois à tout. Voilà, on va partir. Ménénal Lavar est devenu pêcheur compagnon. Mais c'est cool. C'est cool tout ça. C'est bien. Tchac. On va se reposer. Voilà. On est reposé, on est parfait. On repart. On n'aura pas utilisé de nourriture ni quoi que ce soit, donc c'est très bien comme ça. Ben, on a fait tout ça. Hein. On va explorer là aussi. C'est vrai qu'on l'avait pas fait. Et ça, c'est Tiltren. Hein, presque envie de recommencer une partie et le mettre en hard en fait. Le mettre en hard en mode Iron Man. Je pense qu'on a pas mal vu les lieux. Donc c'est peut-être un projet. Ah mince, non. Je peux partir directement, c'est vrai. Ouais, c'est un projet totalement faisable de le refaire en hard, ce jeu. Parce que là, honnêtement, à part l'élite, on a vraiment galéré. Mais c'est quoi cet équilibrage? Il est niveau 9, quoi. 9, Eh hey, oh, faut se réveiller. Ah, oui, en effet, il y avait un petit chemin. Il y avait un petit chemin. Ok, on va explorer un petit peu avant de se faire l'invasion de rats. On peut passer par là. Non, hein. On peut pas mettre de pitons, j'imagine. Non, ça serait trop beau. Hein. Ça serait trop beau. Et du coup, on peut pas accéder aux ruines. Il y a peut-être un autre moyen, mais je ne sais pas lequel. C'est pas encore lequel.
D'accord, donc ici aussi on pouvait traverser. Ce qui c'est vraiment c'est pas utile de mettre un piquet ici. Là y a rien à prendre. Y a pas de truc. Non. Ça sert à rien d'essayer de passer. Bon bah on va se faire l'invasion de rats. On va se faire la petite invasion de rats. Hop. Nos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante. Le sol tremble. Allez, oula, configuration totalement pourrie. Elles sont loin les essences. Elles sont loin les essences. On peut peut-être s'en faire deux. Ouais, ici on peut s'en faire deux, trois. On va partir sur le gameplay de s'en faire trois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un emplacement. On va mettre Kratos. Kratos là, il va envoyer du lourd. Il va faire perdre 50 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Ok. On va mettre un tank. On va remettre un tank de l'autre côté. On va mettre Loak. Loak qui va être ici. Et puis eux, ils vont aller s'occuper des excroissances. Arngrim, tu vas faire quoi Arngrim? Tu vas faire les excroissances hein, toi aussi. Hein. Ouais, tu vas aller faire les excroissances. Tu peux peut-être. Ouais, tu vas setup pour aller taper celle-là pour le prochain tour. Sans spécifier. Oh, qui va se charger de celle-là. Comme ça. Et puis, on est bon comme ça. On est pas mal. Tank. Ouais. Ce serait pas déconnant, tant que tu vas te mettre là, finalement, enfin, tu vas plutôt te mettre ici, et Kratos ici, voilà. Bon bah c'est parti, c'est toi qui vas jouer en premier, ok, donc on va prendre Kratos, pardon Kratos, excuse-moi, puis on va faire ça, hein. On va faire ça, et là, ouais, ça les tue pas, hein. Ça les tue pas, mais on en touche pas mal. Ouais, de toute façon tu prends. C'est bien ça. De toute façon ils mourront avec le debuff. Ils mourront avec le debuff. Kratos, tu vas quand même tuer lui. Voilà. Ouais, on va plutôt faire ça. Back un petit peu. Auréa, tu vas aller tanker là. Tu vas le tuer? Ouais, tu vas tuer lui. Voilà, et puis tout de suite. Parce qu'à chaque fin de tour, il y a la matriarche qui fait pop d'autres rats. Et ça peut vite, très très vite être la crise en fait. Vraiment. Vraiment. Alors toi tu vas mourir, on s'en fiche un petit peu. Tu vas te mettre ici, on a un peu ici. Tu vas t'occuper de lui. Et puis 131. Ah ouais, tu risques de la tuer toi. Tu risques de la tuer, donc toi tu vas te mettre ici. Loak. Allez. On tue du rat. On dératise. Hop. Comme ceci. C'est parfait. Maintenant qu'on s'est occupé de quasiment bah, de tous les rats, on va partir là. On va s'occuper de l'excroissance. Voilà, c'est bien critique, c'est bien. Tu critiques encore, tu me fais rêver si tu critiques encore. Même pas besoin de critique. Et un nid détruit. C'est parfait. Tu vas te mettre là. Voilà.
Arngrim, on a dit, tu vas setup les trois sens là-bas. Et puis, Erina, qui va aller au palais au cac, tu vas te poser ici. Là. Tu vas commencer à faire ça. Voilà. Ça, tac. Tac aussi, ou... Ouais, hein, toc aussi, bon, toc, tu vas te mettre là, histoire de s'il y a des rats qui pop, donc ils sont pas totalement désemparés. Voilà, et puis Ménénal, tu vas aller là. Voilà, en espérant que le pop de rat soit pas trop horrible. Ok, là ma mère a appelé ses rats. C'est rare, en effet. Qui c'est qui va jouer? C'est toi, après toi. Ok, il faudrait d'abord que tu aies toi. Mince. To one shot. Ah. Comme ça. Ouais, comme ça. Et puis, tu vas faire mal. Tu vas faire mal, toi. Voilà, c'est bien ça. Bien, ils vont tous mourir quand ils vont jouer, c'est parfait, mais on va quand même se sécuriser un petit peu. Comme ceci. Non, tu veux rester là. Voilà, très bien ici. Louak, on voit que tu vas les tanker. Tu vas les tanker et tuer. C'est très bien comme ça. Voilà. On utilise nos points. Si on le fait pas maintenant, on va très vite se faire déborder. Et tu vas... Ouais, tu vas te mettre ici. Ouais, ce qu'on voulait pas, faut qu'il soit engagé, mais c'est pas grave. Ménénal est là pour ça. Ménénal est là pour désengager nos amis. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Voilà, comme ça. C'est bien ça. Oui, tu peux. Tu vas faire une petite brochette. Comme ceci. Et puis le saignement. Non, ça ne tuera pas le saignement, ils ont pas assez de PV. Tu vas rester comme ça. Ok. Auréa. Bah, Auréa, tu vas te débarrasser de ton tir. Ah, comme ça. Et puis on va commencer à entamer la matriarche. Quand même. Un autre dégât. Non, ça va sur un petit point, tu vois. Ça devrait aller. Ok. Maintenant la matriarche, elle sert plus à grand chose. D'un coup on la tue. On va faire ça. Lui, on le tue aussi. Voilà, ça en est bien. Donc Arngrim, tu vas te prendre du poison, mais c'est pour la bonne cause. Ah, puis ça. Ok, prochain tour, une excroissance en moins. Hook, tu vas te mettre ici et taper l'excroissance. Ah, c'est pas grave, tu te mets ici, passe ton tour, le rat engage. Oh, ah, pile. Ah bah c'est bien ça, ça c'est très bien. Erina, tu vas prendre du poison, mais c'est toujours pareil pour la bonne cause. Allez, presque. J'ai envie de t'enlever en fait. À rien que tu restes dans le poison, à stacker des. À stacker du poison tout simplement. Donc toi tu remeurs, c'est bien. Tuck il va achever l'excroissance. Hein. Il va achever l'excroissance. Ah, il y a une excroissance ici. Ah, ce serait pas si bête de faire ça, comme ça. De
commencer à repartir. Ça va à 5, un stack de poivrons qui rassemblera partout. Une coupe de rats qui risque d'être un peu plus vénère. Ouais, hein. Ouais. Il y a plus de gens par là. Hein. J'ai une petite frayeur. Ah, donc, toi, tu vas te déplacer ici. Là, tu vas prendre du poison. Hein. Je crois que si tu pars. On va faire ça plutôt. Tu vas partir vers de nouvelles aventures. Tu vas aller là. Tu vas essayer de faire cette excroissance. Toi, oui. Tu vas y aller. 190, hein. Eh ben, va falloir critiquer, hein. Oh là là. Ok, on va tout donner, hein. On va tout donner. 11, ah oui. Ça commence à faire mal du type de poison. Avec 4 stacks. Ok, ça c'est bien. Ah! Mais qu'est-ce que t'as contre Hawk? Qu'est-ce qui t'a fait ce pauvre Hawk? Ça on s'en fout pour l'instant. Notre premier. Ouais, il faut désengager Hawk. Parce qu'il n'y a que Hawk qui peut potentiellement mettre un bon coup à l'essence ici. Bon, tu vas te mettre là. Tu vas attaquer dans le dos. Voilà. Et tu vas faire ça. Pardon, tactique. Voilà. C'est bien ça. Et puis tu vas te mettre là. Voilà. Ouais, on va faire ça. Ça serait bien de rapatrier un gars de la droite pour venir aider ici. Je pense que ça serait pas pire. De rameuter Auréa par là. On va essayer de faire ça. Toi, t'es quasiment juste à brûlure. À brûlure, j'espère que ça va pas te tuer, toi. Ah, mais non, c'est ça. D'accord. Ils prennent cher avec le feu. Ok. En masse. Très bien. Irina avait pas encore vraiment pris tout. Voilà, on répartit un peu les rats. On va prendre Hawk. Hawk. Est-ce que Hawk va être notre MVP? Il y a potentiellement une chance. Il y a potentiellement une chance. On va la saisir. Allez. Ah bon, c'est pas grave, c'est très bien. Tuck pourra porter le coup fatal. Oui, bah, y a pas de souci, hein. C'est pas un problème. Alors, donc, Ménanal, tu vas te désengager. Voilà, tu vas te désengager. Et est-ce que tu peux faire une brochette? Non, hein. Non. C'est dommage. C'est dommage. Tu vas rester là. T'es bien, là. C'est très bien. Prendra certainement une blessure pestiférée, mais bon, on a de quoi te soigner. Ça reste totalement gérable. Toi, ouais. Hop là. Petit one shot. On va essayer de pas se brûler. Voilà. On s'est pas brûlé. Ah non. Allez, ça passe. Et puis on passe au tour. Comme ça, on gagne un point de bravoure ici. En s'engageant, c'est très bien. Pratos aussi, hein, tu sers plus à grand chose. Hein. Peut-être juste te faire attaquer toi. Là, tu veux.
Et toi, tu vas rester. Tant, tu vas rester là. Tu vas rester à protéger la matriarche. Est-ce que tu te prends? Non, et là, oui, oui. Parce que là, c'est serré pour que Kratos passe. Ok. Passe son tour. Où tu seras. Voilà. Et puis, on va essayer d'aller aider nos autres amis. Comme ceci. Nouvelle salle de rats. Des rats sortent des trous. Ok, tout va bien. Oula, 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 oula. Oula. On fait ça déjà. Hein. Puis toi, ok, cool. Et toi, tu vas là. Ah là, blessure pestiférée, on s'y attendait, y'a pas de soucis. Oh, tellement drôle. L'enfer des rats, quoi. On s'en fiche. On va prendre un Grim. Et. Non, on va prendre Hawk. Il va se barrer tout loin. Très loin. Et puis. Ah, dommage. Ah oui. Comme ça passe pas. C'est dommage. Allez. On claque ça. 80. C'est très bien. On prend. On passe. Ok, c'est pas un souci. C'est pas un problème. Ouh, on a bien fait de le faire baquer. Ménénal, ça reste gérable ou ça reste pas gérable ici? Non, ça va, ils jouent pas tout de suite eux. Ah, on prendra Kratos. Tu te désengages, bien sûr. C'est encore mieux. Tu vas prendre des stacks de poison. Et c'est fait pour. Allez, hop. Est-ce que tu l'achèves? Oui. Yes. Mais c'est que il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Ils sont loin. Hein. Ils sont loin quand même. Ils sont assez loin. Ouais. Ils sont peut-être trop loin, mais non. Peut-être trop loin. On va peut-être arrêter le fight là. Hein. Parce que là, un tour, deux tours. Encore, il faut que lui. Pareil, deux tours et encore, faut les tuer quoi. Donc, ça va prendre au moins quatre tours. Non, on va mettre fin à tout ça. Voilà, adieu. Fini les rats. La matriarche est morte. 28 rats, 5 excroissances. C'est bien ça. Ça va faire beaucoup d'huile ça. Un seul cerveau. Oh là là. Oh la tristesse quoi. Un seul cerveau. C'est vraiment triste. On répare pas, hein, y a plus grand chose à faire là. Hein. Donc, on va repasser par la ville. On va réparer à la ville. Ah, on va soigner Ménénal. On soigne Ménénal avec le remède contre la peste. Voilà. Très très bien. Et on y va. Donc oui, ici on peut pas passer, on a dit. Bon, c'était ici. Quoique, on peut vraiment pas passer là.
T'as pas un petit chemin? Je trouve ça bizarre quand même. Bah non. C'est Keblo. Ah là là. Nous sommes repartis. Des sangliers, on va les éviter. On va essayer de les éviter. Non, on peut pas. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. On va pouvoir se reposer. Ouais, on va se reposer ici. Aucun danger, c'est très bien. On verse le salaire. Carpe, on peut cuisiner des carpes, mais on fera ça après. On prend des carpes là. Saucisse. Voilà. Un petit rat. Et un petit peu de vin de Gosenberg. Alors, on met la qualité. Hein. Faut qu'ils se mettent bien. Hein. Faut qu'ils se mettent bien. Une bouteille de vin là. Ah, petit cas de conscience de Kratos. Alors, j'ai rêvé qu'on était encore dans le village maudit, mais cette fois, on ne trouvait pas d'issue. On cherchait, mais il n'y avait aucune brèche, aucune ouverture. Se confier, se méfier ou boire. Sérieux, les gars, quoi. À boire, hein. Vas-y, bois pour oublier. On va boire pour oublier. Et pourtant, ça va. On s'est pas fait attaquer. Tout s'est bien passé en plus. Ah, t'es chiant, Kratos. Quoi. Mec, oh là là, quoi. Là, il a oublié ses burnes. Quoi. Parle de Kratos quand même. Merde. Alors, donc, oui, bah oui, qu'est-ce que. Oui. Quête principale ici. D'accord. Mais écoutez, je pense que ça a été un bon petit. Une bonne petite session. Oh, attendez. J'essaye de gérer la crise. Ah, mais oh, qu'est-ce, vous me laissez, merci. Mais c'est quoi ces sangliers là? Vas-y, hop là, on leur met un petit vent sur la route, ça va être encore mieux. On se met au clan de Yelb, on va réparer, on va manger, ben non, on n'a pas besoin de manger, hein, donc je pense que oui, on va pas tarder à s'arrêter, tout à fait. C'est une petite session, hein. J'ai prévenu au début de stream, hein, j'ai un gros mal de crâne, donc voilà, désolé si ça s'est ressenti sur le stream. Donc, on répare. On vend un petit peu. Carcasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vendre? On a toujours pas appris le loot. Hein, tac. Ok. Bon. On verra ça la prochaine fois. On va rester là, tranquillement. Bon bah voilà, écoutez, c'est la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Et puis, si vous avez aimé, je vous invite à follow la chaîne. Objectif 50 followers. Et puis, ben, je vous dis une très bonne nuit. Et je vous dis très certainement à demain. Allez, bye bye.